Bienvenue à Pontins-les-Forges, où l'on voit la vie en vert et en rouge. Vert comme l'océan de Pins des Landes qui l'entoure, rouge comme son sol saturé d'oxyde de fer. Un minerai exploité dans des forges durant 100 ans. Deux richesses qui ont façonné ce village, situé à 100 km au sud de Bordeaux et à 20 km des plages de Biscarrosse. Ici, le climat est océanique, le soleil brille plus de 2000 heures par an. Bref, c'est un petit paradis sur Terre. À Pontins, c'était très bon vivre. Et pour nous servir de guide, nous avons fait appel à Dominique. Elle est la présidente d'une association de défense du patrimoine local. Il y a un peu plus de 40 ans que j'habite ici. On est à 15 km de la mer, donc voilà, il y a la forêt, il y a les chemins, il y a les lacs, il y a multiples facettes. Direction l'un des quartiers de Pontins-les-Forges. Il s'appelle Bourricos, un véritable village dans le village. Ici, on appelle ça un aérial. Mais alors, Dominique, de quoi s'agit-il exactement ? Ah, la question que tout le monde se pose quand on arrive dans les Landes. Parce que c'est vraiment un mot qu'on ne trouve que dans ce département des Landes, l'aérial. Ici, on est sur l'aérial justement de Bourricos. Alors Bourricos, c'est un quartier de Pontins-les-Forges qui est à 3,5 km, on va dire, en gros, du bourg. Et l'aérial lui-même, c'est un quartier, en fait, où les gens vivaient en autonomie. Vous voyez, il y a des maisons un peu dispersées sur l'ensemble de l'aérial. Donc, il y avait le four à pain, il y avait le poulailler perché pour la volaille, il y avait des moutons sur l'aérial qui paissaient et qui engraissaient l'aérial, parce que le sol est pauvre dans les Landes. Pour redonner vie au quartier, Dominique a pu notamment compter sur Jonathan, le boulanger. Jonathan, t'es là ? Qui vient de faire sa fournée. Historiquement, il y avait un four à pain ici, mais écroulé. Donc, en 2015, on a remonté le four à pain. Et du coup, depuis, Jonathan vient deux ou trois fois par semaine faire son pain à Bourricos. Je les ai cuits pendant trois quarts d'heure, à peu près à 250 degrés. Et donc là, c'est les derniers que je sors. Donc ça, c'est un pain complet d'un kilo. Jonathan n'est pas le seul à participer à la réhabilitation de la vie du quartier. On peut aussi compter sur l'atelier de fabrication de paniers en osier et sur l'équipe ultra motivée chargée de rénover l'ancienne chapelle. Et voilà la chapelle du XIIe siècle en pleine transformation ou rénovation. Il y a un esprit Bourricos, on va dire. Donc les gens sont attachés à ce lieu, les gens qui sont à l'association, ils sont à l'association, on ne va pas aux amis de Bourricos comme on va à un comité des fêtes. On y va parce qu'on est attaché au lieu. Et cerise sur le gâteau de ce petit bijou de l'art roman, un artiste a réalisé une dentelle de bois fixée au-dessus de la nef. Et devinez en quoi elle est faite ? Fait en pain des Landes, bien sûr, sur des panneaux de pain des Landes. Ah, le pain des Landes, c'est le poumon économique de ce territoire depuis près de 150 ans. Et c'est le climat de la région qui a inspiré cette transformation du paysage. C'est en 1867 que le Napoléon III a décidé de faire planter du pain maritime. Il y a une loi qui est passée pour que tout le département soit planté de pain maritime. Parce que c'était un département qui était quand même humide, un peu insalubre. Donc le pain pompait l'eau quand même et assainissait l'environnement. Pour se rendre compte de la dimension de la forêt landaise, il faut prendre de la hauteur. Dominique est accompagnée du Myriam. Elle représente le principal exploitant forestier de la région. Ensemble, elles vont gravir cette tour de guet qui permettait de surveiller les incendies chaque été. Pontins-les-Forges, proprement dit, il y a toujours eu une forêt naturelle de pins maritimes, qui est une essence endémique. En revanche, sur toutes les zones de Landes de Gascogne, il y a eu une grosse activité de plantation pour étendre cette forêt. Il y a quasiment 800 000 hectares qui ont été plantés en 100-150 ans. À la fin du 19e siècle, le pin maritime dont on extrayait la gemme, hein, la fameuse résine, qui a servi de base à toute l'industrie chimique de l'époque, et on peut considérer que ça a été vraiment l'or des Landes à cette époque-là, quoi. Cette résine de pin était notamment utilisée dans la fabrication d'essence de térébenthine, un solvant chimique. Mais le pin des Landes, c'est bien plus que de la résine. C'est aussi un bois vénéré par la famille Pallas, charpentier dans le village de père en fils depuis le 19e siècle.
ils sont la cinquième génération. D'ailleurs, leur grand-père et leur maman ont construit ma maison qui est en pin des Landes aussi, bien sûr, puisqu'on est très amoureux de ce matériau ici. Aujourd'hui, les deux frères, Julien et Vincent, sont plus que jamais engagés dans cette voie tracée par leurs aïeux. Donc voilà, Julien et Vincent. Bonjour Dominique. Ça va ? Et le premier des palaces s'appelait... C'était Éloi Palace qui a fait le clocher de l'église en 1875. Donc arrière-arrière-grand-père, et qu'il a fait en pin des Landes déjà à l'époque. Donc l'amour de ce bel arbre a commencé il y a déjà bien longtemps. Si le clocher tient depuis si longtemps, ce n'est pas un hasard. Le pin des Landes, c'est du costaud. Julien et Vincent sont les premiers ambassadeurs et certaines idées reçues les font bondir. La maison des trois petits cochons, ça brûle, ça s'envole. C'est un peu la maison jetable, quoi. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est comme un bateau en bois, quoi. C'est pas des maisons avec un pont de bateau en bois verni, quoi. Donc, si on met les choses en œuvre comme il faut, avec les bons bois, et qu'on tient compte des expositions, du soleil, des intempéries, si on fait les choses comme il faut, tout simplement, voilà, on traverse les générations, il n'y a aucun souci. Hein. Que ce soit pour ses habitants, pour ses pins majestueux ou pour ses quartiers typiques, Pontins-les-Forges n'attend plus que vous pour une escapade dans les Landes.